C'est Abou Bakr, journaliste de Lynx et correspondant de BBC Afrique en Guinée. Et la presse guinéenne a décidé de se lever sur le grand piano. Une des icônes de la presse guinéenne, vous l'avez côtoyé, C'est pas que je l'ai côtoyé, c'est lui qui m'a formé. Je suis, disons, son fruit dans la presse guinéenne, comme tant d'autres. Et M. Diallo Souleymane, c'est une icône, vous l'avez dit, mais c'est aussi une école, c'est une institution dans le domaine des médias, parce que la quasi-totalité des journalistes qui animent aujourd'hui ou qui ont animé hier l'espace médiatique guinéen et étranger sont passés par le Lynx, soit en qualité de stagiaire, soit en qualité de journaliste confirmé, soit en qualité de collaborateur. Il a eu à travailler avec des célébrités comme les William Sassin et aujourd'hui l'une des plus belles plumes du monde littéraire mondial, du monde francophone, Pierre Monet Nembo, un des collaborateurs du groupe Le Lynx. C'est pour vous dire un peu la dimension de la personne, mais ce n'est pas seulement ce que nous célébrons la constance de la Diallo Souleymane. La constance parce que Le Lynx qui a été créé en février 1992, précisément le 7 février, et continue toujours son chemin jusqu'au moment où je vous parle. La ligne éditoriale est la même. Le Lynx a fait vraiment une traversée du désert. Le journal a reçu au moins 7 convocations. 2 de ces convocations ont amené M. Diallo Souleymane en prison. Vous comprenez? Il n'y a pas cette forme de pression qu'il n'a pas eue, n'est-ce pas? Pour fléchir, il n'y a pas cette forme de proposition ou de tentative de corruption auquel il n'a pas fait face dans l'exercice de cette profession pour soit rejoindre les gouvernants ou réduire un peu cette verve critique qui caractérise le satirique Le Lynx. Il n'a pas varié. Donc vous voyez que cette constance-là est une école qui mérite d'être célébrée. À part ça, vous avez aussi l'audace. M. Diallo nous a toujours dit que le journaliste ne doit avoir peur que d'une seule chose, c'est d'avoir peur. Il dit qu'il ne faut jamais avoir peur et figurez-vous, il nous a donné l'exemple. Vous savez, le bon chef n'est pas celui qui ordonne, mais c'est celui qui fait et qui amène les autres à s'inspirer de ce qu'il a fait. Il est parti en prison à 2 reprises et lorsqu'il partait en prison, lorsque sa femme lui envoyait le repas, il mangeait. Et là, ça prouve qu'il avait déjà rédigé des articles parce qu'il arrivait une des fois en prison au moment où les mutins, ceux qui avaient attaqué le palais présidentiel, la mutinerie du 3 février 1996, était à la maison centrale. Les Yaya Sow, les commandants Kader et d'autres célébrités que personne, même leur famille ne savait pas ce qu'ils étaient advenus. Et lui, comme il était en prison avec eux, il les rencontrait en prison, il échangeait avec eux et il faisait des articles. Le lundi, pendant le mois qu'il a passé en prison, le lundi, le Lynx était à 13h, le Lynx est acheté, le Lynx est complètement fini. C'est ce qui a amené William Sassine à dire, monsieur Lansana Conté, arrêtez Diallo Souleymane, parce que quand il est en prison, nos journaux se vendent mieux. Donc c'est de la prison, il est informé. Imaginez le courage, sous un régime militaire. Donc voilà l'audace que nous voulons aussi célébrer. La troisième des choses, les lois sur la liberté de la presse. Les lois guinéennes, la loi 005 et la 006, vous savez que la loi 005, c'est la loi sur la liberté de la presse. La loi 006, je vais parler de 1990, c'est la loi sur le Conseil national de la communication d'alors. Et aujourd'hui, la loi 02 de 2010, hein, du Conseil national de la transition, il était le président de la commission communication du CNT, du Conseil national de la transition. Il est parmi ceux qui ont rédigé cette loi et lui, il était le président de la commission communication. Donc la loi actuellement qui régit la presse, la loi 002 et la loi 003 qui régit la haute autorité de la communication, c'est le fruit de Diallo Souleymane. Il a marqué des lobbies ici et ailleurs à l'extérieur du pays pour que la presse guinéenne soit libre, pour que la presse guinéenne puisse être une presse performante. Il a montré l'exemple de la rigueur dans le travail, il a montré l'exemple du professionnalisme. Et un autre détail que je vais ajouter, et c'est grâce à Diallo Souleymane, n'est-ce pas, que la Guinée a connu les radios privées, la presse plurielle. Il a été parmi ceux qui se sont battus aux côtés à l'époque de Boubacar Yassine et d'autres
Et c'est à son initiative qu'un pool de journalistes, disons, leaders d'opinion de l'Afrique de l'Ouest, sont arrivés ici sous les auspices de la Fondation pour les médias en Afrique de l'Ouest, Media Foundation for East Africa, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une organisation qui défend la liberté de la presse, qui est basée à Accra et qui a des filiales partout jusqu'en Namibie. Et c'est lui qui a amené tous ces intellectuels en Guinée au moment où l'ancien Conté commençait à lâcher du lest par rapport à la libéralisation des zones. Mais au moment où l'entourage de l'ancien Conté ne voulait pas, disait que ça va être dangereux, ça va être à Radio Mille Collines, c'est lui qui a amené ses journalistes ici en Guinée. Et on a fait un atelier de 5 à 6 jours. Et la motion de soutien, la motion d'encouragement des autorités guinéennes à libéraliser les ondes est partie de ce forum organisé par lui, avec tous les risques que cela avait pris. Vous avez vu que, donc, aussi, il est un des artisans des lois qui nous gouvernent aujourd'hui. Voilà autant de raisons pour lesquelles nous avons estimé qu'il ne faut pas attendre qu'il décède, comme en Guinée c'est le cas, n'est-ce pas? Dieu a fait qu'il est avec nous, Dieu a fait qu'il a traversé des épreuves difficiles, mais il se porte bien aujourd'hui. Il marche encore, il travaille, il est plus vigoureux que vous les jeunes, parce qu'il est capable de travailler de 6h du matin à 22h. Nous avons décidé de lui rendre hommage à titre intime, ne pas attendre à titre posthume pour le faire. C'est dire qui c'est qui partira en premier ressort, mais on sait que les personnes âgées ne sont plus inclines à partir que souvent les plus jeunes, n'est-ce pas? Donc on a décidé de faire cette cérémonie pour qu'il sache, assis dans la salle, ce que la presse guinéenne pense de lui. C'est que les personnes qu'il a formées, dont il a contribué à la formation, c'est que ces gens la pensent de lui. Que la Guinée lui attribue une reconnaissance à titre intime de son vivant, qu'il puisse jouir de ce plaisir que rien ne remplace dans ce monde. L'autre question, c'est de savoir une telle personnalité visite en Guinée, tout le monde le connaît, et sans qu'il ne puisse travailler avec un quelconque régime. Oui, il a eu toute forme de pression pour être ministre. Il n'a pas accepté. Il a eu toute forme de pression pour être responsable de quoi que ce soit, de sphères les plus hautes de l'administration. Il n'a pas accepté. Et en 1996, je ne me rappelle plus la date exactement, il a été nommé au Conseil national de la communication comme commissaire. À l'époque, ce n'était pas la HAC, c'était le CNC. Il est resté là 2 mois. Après, il a déposé sa démission. Il a quitté. Les gens lui ont demandé pourquoi il a quitté. Il a dit que c'est pour convenance personnelle. Il n'y a pas cette forme de pression, cette forme de tentative de corruption auquel on ne lui avait pas soumise pour qu'il revienne sur sa décision. Ils lui ont même fait des propositions de voyage payées par l'État dans n'importe quel pays de son choix pour qu'il aille se reposer. On disait que c'est parce qu'il est fatigué qu'il a présenté sa démission. Il n'a pas accepté. Au CNT en 2010, il est venu, vous savez pourquoi? Pourquoi il a accepté la sollicitation, il a été commissaire. C'est juste parce qu'il ne voulait pas que la loi sur la liberté de la presse soit écrite à son insu. Il voulait que ce soit vraiment qu'il soit là. C'est pourquoi il a accepté. Sinon, il ne voulait pas. Il n'a jamais voulu être associé à quoi que ce soit dans la gestion vraiment de tout ce qui est bien public. Il a voulu toujours garder son indépendance éditoriale et son indépendance de journaliste. Jusqu'au moment où je vous parle. Merci beaucoup. Ouais.